Searching all day long, try to be the perfect one. You're holding me without no touch. You don't need chains to hold me back. Light it up, I can't speak your mind. My words slipping under, give me nothing back. What is love? I can't tell you how I'm caught up in your thoughts tonight. See, I've been building walls, you break them. Coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Coucou. Merci Léa de ta présence. On peut en parler de ce sac ou pas? Cette semaine, on vous explique comment recycler des sacs Ikea pour en faire quelque chose à utiliser tous les jours. C'était l'idée d'un abonné, on se souvient plus qui t'es. Viens nous écrire si jamais tu passes par là. On a vu que c'était aussi une espèce de challenge qui circulait pas mal sur YouTube et du coup, on a eu envie de le faire. L'idée de la récup, ça nous plaisait. L'idée de créer quelque chose à partir d'un sac Ikea, ça nous a fait rire. Donc il nous en a pas fallu plus. On fait des gros bisous à Margot qui a magnifiquement bien posé dans cette vidéo. Et on fait aussi des gros bisous à Charline qui nous a aidé pendant le tournage. Pour réaliser ce sac, on s'est clairement inspiré de la marque Off-White, hein, qui est une marque un peu street de luxe, voilà, hein, clairement. Et du coup, c'est un sac sur lequel on est tombé sur Instagram par hasard et qui nous a vachement inspiré avec la sangle en bandoulière. On s'est dit qu'avec la sangle, avec les anses du sac Ikea, ce serait parfait. Voilà, donc ils ont un sac qui ressemble très clairement à ça et qui coûte 1000 euros et on s'est dit, mais quoi de mieux pour créer un sac à partir de rien qui nous coûtera que dalle qu'un sac à 1000 euros. Donc là, il n'y a plus la sangle parce que en fait, Léa a récupéré la sangle pour s'en servir sur un sac à elle, exactement comme on voit dans la vidéo, pour un look un petit peu plus bold et plus facile à assumer aussi, parce que porter un sac bleu Ikea, ça doit être quelque chose, j'imagine. Ça peut se porter parce que avec le look de Margot, ça rendait très bien. Mais voilà, j'imagine que tout le monde l'assumera pas, donc c'est possible de faire ça. Et d'ailleurs, sachez aussi que Léa a envie de se servir de la sangle pour se faire une ceinture. Donc voilà, si vous voulez récupérer les sangles Ikea pour customiser vos fringues ou créer des accessoires, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez quand même envie de réaliser ce sac, on vous conseille pour un petit peu plus de tenue, parce que là c'est un petit peu raplapla, de rajouter une triplure. Donc en gros, vous découpez chaque partie du sac deux fois, comme ça vous avez une doublure, et vous découpez une triplure dans un tissu qui se tient bien ou dans un thermocollant très très épais, voilà, pour ajouter un petit peu plus de tenue et un côté un peu plus qualitatif, premium, que ce truc, quoi, ça ferait un petit peu moins poubelle. Mais tu dis pas genre YouTube, Instagram? Ah oui, si, oui, si, ah. Excuse-moi. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, on est Hello Supérette, une chaîne de couture. On vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sort une vidéo. Du coup, on vous laisse avec le tuto. Et du coup, pour réaliser ce sac complètement edgy, il vous faudra deux sacs Ikea, ça coûte que dalle, et un petit patron de sac fait maison. En sachant qu'avec ça, vous pouvez réaliser un sac entièrement, tout ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est facultatif. Un clip de papier doré, une boucle de ceinture, une pression aimantée, des œillets, des petits anneaux dorés et des mousquetons. Pour commencer, on a décousu proprement les anses des deux sacs. On fait bien attention de ne pas les abîmer, on s'en servira pour faire le biais et la bandoulière du sac. Ensuite, on vient découper les sacs pour pouvoir placer le sac à plat et venir découper notre patron dessus. Et du coup, ensuite, on vient découper les pièces de notre patron. Donc le patron, il a une forme toute simple. Il y a un rectangle qui sert de dos et de rabat en même temps, un rectangle qui sert de devant, et un rectangle qui sert de dessous et de côté du sac. On vous le mettra pas en PDF à télécharger parce qu'il était un petit peu fait à l'arrache et qu'en fait, il est un petit peu niqué. On a commencé par poser du biais sur le haut du devant, du rectangle qui sert de devant, et sur le haut des côtés, donc c'est de chaque côté de ce long rectangle-là, en se servant pour le biais des sangles. Pour que ce soit carrément plus rapide, on a directement replié les bords de la sangle vers l'intérieur et on l'a posé en sandwich autour des bords là où on voulait poser du biais et on est passé directement sous la machine. Une fois qu'on a posé le biais, on va venir faire former des petites attaches pour pouvoir attacher les sangles. Donc on coupe deux morceaux des anses qui nous restent du sac Ikea et on va venir les enrouler autour d'un petit anneau doré, doré ou en métal ou un anneau que vous avez choisi quoi. Et on va venir coudre ça sur le haut des côtés. Donc c'est de chaque extrémité toujours de ce long rectangle.
Allez, on va commencer à passer à l'assemblage. Et là, comme le tissu qu'on utilise est super rigide, c'est un petit peu galère. Donc si vous voulez le faire, on vous conseille de prendre une bonne respiration, 2 ou 3 Lexomil. Et... on ne prenez pas du Lexomil, c'est pas une solution. Et d'y aller tranquillement. Donc on va assembler la partie dessous côté, c'est-à-dire le long rectangle, à la partie du devant. Et on assemble ça envers contre envers, du coup en faisant bien attention que les anneaux qui vont servir à attacher les sangles soient bien vers l'extérieur du sac. On fait bien attention que notre long rectangle soit bien centré par rapport au rectangle du devant. Et on s'applique énormément dans les arrondis parce que ça va être très très chiant, mais que si on s'applique pas, ce sera dégueulasse. Et du coup, on fait bien attention. Vous allez comprendre, on n'aura pas besoin de retourner ce sac à la fin. On va venir poser un biais sur tous les bords bruts et du coup, le sac, on le coud en vert contre en vert. Et une fois que vous avez bien galéré et que c'est assemblé, on va utiliser la même méthode pour le biais et on va poser le biais exactement là où on a fait notre première couture, sur les bords francs, pour camoufler les bords francs. Donc là, j'ai épinglé la petite étiquette avant d'assembler le dessous plus côté au dos plus rabat du sac pour pouvoir faire rire Léa. Et oui, ça faisait rire Léa. Je sais pas pourquoi, mais demandez-lui en commentaire pourquoi ça l'a fait rire que l'étiquette du sac Ikea. Du coup, une fois que l'étiquette est épinglée, on va venir assembler le rectangle qui forme le dos plus le rabat, avec le rectangle qui forme le dessous plus les côtés, avec la même méthode. On fait bien attention que les deux pièces soient bien centrées l'une par rapport à l'autre. Et c'est toujours chiant, voire même plus chiant, vu que c'est déjà assemblé au devant et du coup, on a encore moins de liberté de mouvement. Mais c'est rigolo, donc on continue. Et grosso modo, une fois que ça c'est fait, on a presque fini. On va venir poser un biais tout autour du rectangle qui sert de dos et de rabat. Et du coup, on commence par le dessous, le long de la couture qu'on vient juste de réaliser. On continue autour du rabat et on va venir revenir le long de la couture qu'on a réalisée également. Et on rejoint le biais en dessous du sac. Et voilà. Allez, on passe à la sangle. On avait un grand morceau de hanse qui nous restait et un petit morceau. Et du coup, sur le petit morceau, d'un côté, on va poser un mousqueton et une boucle. Et sur le grand morceau, d'un côté, on va poser un mousqueton et des œillets. Pour les mousquetons, c'est pas compliqué. On entoure la sangle autour du mousqueton et on vient faire une petite piqûre. Et pour la boucle de la ceinture, c'est pas compliqué non plus. On vient poser un petit œillet, on enfile la boucle à travers ce petit œillet et on vient fermer avec une couture. Et les œillets, c'est écrit sur les petits paquets d'œillets que vous avez achetés. Généralement, c'est avec un petit outil qu'on utilise avec une pince ou avec directement un marteau. Et enfin, on est venu poser une partie de notre pression aimantée, donc sur la partie du devant et pas sur le rabat. En fait, on n'a pas posé de pression aimantée sur le rabat parce qu'on est venu poser un petit clip sur le rabat et que du coup, la partie de la pression qui est sur le devant vient se coller par la force du magnétisme sur le petit clip en métal. Donc on a utilisé ce petit clip en métal pour lui donner l'aspect d'un sac off-white. Et en plus, il n'y avait pas de doublure, donc si on posait la pression aimantée sur le rabat, ça se serait vu sur le rabat. Donc ça aurait été moche. Et voilà. On espère que ce petit tuto récup sac Ikea vous aura ouvert l'esprit. Si jamais vous avez kiffé, laissez-nous un petit pouce bleu. Vous pouvez cliquer ici pour voir notre superbe dernière vidéo. Venez nous rejoindre sur Instagram pour papoter, nous envoyer vos photos, tout ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rater aucune vidéo. Léa et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Léa, tu dis quelque chose ? Bisous ! Je suis épuisée. La pauvre.